They have worked with Madonna and Sam Smith. Today we're about to meet La Horde, a collective of choreographers who explore how the virtual world affects the real world. So come with us backstage of the performance, Age of Content, to find that out. Age of Content, c'est notre dernière pièce qu'on a créée avec le Ballet National de Marseille. Age of Content parle de ces multiverses, parle de ces multiples entrées et de ces multiples réalités qui existent aujourd'hui dans notre monde, aux multitudes d'informations et de savoirs auxquelles on a accès. On ne réfléchit pas tellement au monde réel versus le monde virtuel, en fait, parce que finalement, il n'y a pas vraiment l'un et l'autre. Tout ce qui se développe de manière digitale est en fait une extension du monde tel qu'on le vit aujourd'hui. On peut devenir ami ou même amant avec quelqu'un qu'on rencontrerait sur Internet, et avant de le rencontrer en chair et en os, on peut passer du temps et peut-être même avoir des sentiments réels, des sentiments amoureux. C'est quelque chose qui arrive de plus en plus fréquemment aujourd'hui. Et donc ça nous pose notre question de où se trouve notre humanité et surtout où se trouvent nos corps à l'intérieur de cette grande question existentielle. Est-ce qu'on pourra mettre au niveau de Nonoka qui saute ? Le corps est quand même une espèce d'instrument sensible qui vient un petit peu capter des états du monde et qui les retranscrit d'une manière sensible aussi en fait au spectateur. Toute cette énergie se ressent très fort dans la salle. Le public ressort avec un sentiment d'avoir eu une énorme bourrasque qui les a bouleversés pendant le spectacle. The show is about to start, but how does the virtual world affect our reality? Tell us what you think in the comments below.